Pire journal, plus rien ne va dans cette ville. Les gens sont touchés par une sorte de virus qui les transforme en des choses horribles. C'est chacun pour soi à présent. Il faut être très vigilant. Ces créatures appelées les morts peuvent nous mordre à tout moment. Cher journal, comme chaque soir, j'ai dû trouver un endroit pour dormir. Je reste prudent, les bâtiments grouillent d'infectés. J'aurai quand même un peu de chaleur ce soir près du feu. Thank you.
Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va très bien, je suis très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo qui est également le premier épisode de la nouvelle série. J'espère vraiment du fond du cœur que la cinématique vous a plu. N'hésitez vraiment pas à le dire dans les commentaires, surtout à exploser les likes, il y a eu énormément de boulot. Je crois que c'est la première fois que je mets autant de temps à préparer une vidéo, ça fait quasiment une semaine que je suis dessus. Et il doit y avoir à peu près au total une dizaine d'heures de travail, sans vous mentir. Les timelapses ont déjà été très longs à faire, il a fallu refaire tous les bâtiments. Je crois, j'ai beaucoup regardé sur YouTube, il y a des vidéos style apocalyptique, mais les bâtiments ne sont pas aménagés. Et voilà, j'essaye vraiment de vous proposer le meilleur à chaque fois du contenu. Et donc j'ai essayé de faire vraiment des bâtiments qui sont aménagés. Alors attention, c'est pas un grand aménagement, c'est vraiment le minime, mais voilà, il y a du détail, on peut se balader dedans, il y a 2-3 trucs à voir, sympa. Il faut dire qu'on a un pack qui est relativement sympa, le pack, il s'agit tout simplement du pack Amberstone. Du coup, j'ai fait une capture d'écran. Il s'agit du pack Amberstone que je trouve super sympa. Vous voyez, il y a des 3D de branches, il y a des 3D de planches pour faire toutes nos ruines, il y a des 3D. Alors ça, normalement, c'est des dalles, un dallage, mais voilà, moi je m'en sers comme c'était des gravats. Et ça rend vraiment super bien pour ce style apocalyptique. Donc voilà, dites-moi vraiment les amis si ça vous a plu, si vous avez aimé la mise en scène ou pas du tout. Hein. La prochaine fois, si vous avez aimé, je vous referai le même style d'épisode avec une suite. Si vous n'avez pas aimé, on fera différemment. Mais voilà, j'attends vraiment beaucoup de cet épisode. J'espère surtout que ça va vous plaire et qu'il va être apprécié. Donc n'hésitez pas vraiment à le regarder, à liker, mettre votre avis puisque ça m'intéresse. Et puis je ferai en fonction des résultats un peu de cette vidéo. Vous comprenez bien que si cette vidéo fait 200 vues ou 300 vues, je ne vais pas faire une suite aussi travaillée, vous imaginez, parce que le boulot a été vraiment assez conséquent. D'habitude, moi je passe pas énormément de temps sur mes vidéos, alors ça veut pas dire que je les bâcle, mais ça veut surtout dire que... Ah, il manque un petit bout là. Ça veut surtout dire que YouTube c'est pas mon métier, donc voilà, je fais mes vidéos pour le fun, mais je prends pas forcément le temps de faire des trucs ultra ouf en montage parce que ben voilà, j'ai pas le temps, je préfère continuer YouTube et vous sortir des vidéos quand même de bonne qualité mais sans faire des trucs de dingue que rien faire du tout. Voilà, donc là cette fois-ci j'ai vraiment pris le temps de vraiment faire les choses correctement, d'écrire un petit scénario vite fait et j'espère que ça vous a plu. Donc voilà les amis, des nouveaux bâtiments. Donc la dernière fois j'avais fait la ville abandonnée, c'était des bâtiments de la ville moderne. Cette fois-ci c'est vraiment des bâtiments inédits, en plus vous avez vu c'est pas des petits bâtiments. Et il y en a eu deux en un seul épisode, donc ben peut-être que si cette vidéo vous plaît bien, que la prochaine fois il y en aura encore deux autres qui seront différents. Et peut-être que l'histoire continuera. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt.